COP27, les ministres des environnements d'une cinquantaine de pays vont se retrouver à partir de ce lundi à Kinshasa pour une pré-COP27 qui devrait mettre les pays riches et pollueurs devant leurs responsabilités. Durant moins de deux jours au siège du Parlement congolais, ces émissaires de haut rang vont multiplier des contacts et discussions pour faire le point sur des avancées possibles et des blocages à craindre lors de la conférence des parties sur le changement climatique prévue au mois de novembre prochain en Égypte.